Salut à tous, c'est Vapendor. Ce soir, on va faire la revue Khazar versus Stylar. Je vais la refaire. Hop. Alors, on va faire la revue du Khazar versus Stylar. Donc, composé chacun de trois éléments. Donc, chaque dripper, ce sont des drippers. Je voulais faire un petit dédicace à Francky, parce que si je vape sur Dripper, c'est à cause de lui, tout est de sa faute. Donc on va voir le Khazar, donc là c'est le corps, la cloche, voilà, l'une des cloches du Khazar. Et ici on a la cloche du Stylar. On va profiter que le zoom va mieux. Représenter donc à droite la base du Stylar, à gauche la base du Khazar, les plots en plaqué or côté Stylar, côté Khazar en stainless steel. Au niveau du derrière, désolé mais c'est comme ça, il y a un plot réglable je pense côté Khazar et plaqué or classique fixe sur le Stylar. Et on a les deux top caps. Alors, deux top caps, on va s'attarder un tout petit peu dessus. Allez. Donc, vous allez pouvoir constater qu'ils n'ont pas la même largeur d'arrivée d'air. Voilà, ils n'ont pas la même largeur d'arrivée d'air du tout. Ils n'ont pas du tout la même arrivée de vapeur, vu que c'est par là que la vapeur sort. C'est là où vous mettez vos drip tips 510. Et l'intérieur est sensiblement différent. Vous avez vu, il y en a un qui est conique et il y en a un qui finit plat. Donc le Stylar finit plat et le Khazar finit de manière conique. Et ça joue au niveau de la saveur de ces deux atouts. Alors on va faire un gros plan. Je vais le faire. Je vais me préparer quand même deux bouts de cantal en attendant. Moi je vais vous dire, en attendant que je me déroule du fil résistif, que j'en ai... Allez. J'en ai un que j'aime beaucoup. Sur les deux. Mais en fait... Pour moi, le dripper idéal, à l'heure d'aujourd'hui, serait un mix entre le Stylar et le Khazar. C'est que mon avis. Hein. Pas obligé de suivre. Hein. Alors, j'ai décidé volontairement de faire un coil en 0,40. Pourquoi? Je sais que vous vous posez cette question. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est plus pratique. En ce moment, je fais beaucoup de tests sur 0,40. Loin lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire un test avec un résistif en 0,40. Bon. Et on va utiliser le Stingray de mon ami Mika qui m'a gentiment été offert. Bon, le zoom c'est quand tu veux. Donc le Stingray, pour pouvoir tester les deux, on va utiliser le même juice aussi, du Custard. On va faire. On va mettre un jus qu'on aime bien. Et j'ai plus de cardio, alors on va utiliser un coton bio. Bio. Une petite boîte. Ah voilà, tout est préparé. On va passer au gros plan. Donc, je vais vous mettre. Hop. Là, normalement, vous devez tout voir. Vous devez me voir déjà. Enfin, voir mon bide et ma poitrine.
11, 10. Alors, j'ai fait 10 tours. J'ai rien chauffé au préalable, hein, vous m'avez vu couper. Donc le coil, il est là. Le coil est là. Bon, il n'y a pas envie. Pourquoi pas le bosquer, hein. Moi, j'ai pris énormément trop de cantal. Ça, ça me servira plus tard. Donc, j'ai fait exactement 10 tours. Pour le premier coil. Et je ne vais pas changer pour le second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 1, 10. Peut-être un... Oui, un zoom. On va essayer de mettre les deux côte à côte. Donc là, vous pouvez mettre pause et compter les nombres de spires, et il y en a 10. Bon. Voilà, je vous épargne ça. Hop, donc ça on va garder aussi. On prend une goutte. Elle va être longue, hein, je vous le dis tout de suite. Vidéo extra longue. Alors, on va commencer par le stylard. Oula, la voix n'est pas terrible. Donc, pratique ce petit support pour pouvoir justement refaire nos coils. Je vais essayer de faire ça devant vous. Alors, placement du premier coil, ben, de manière classique. Hein. On rentre dans le pôle. Dans le pôle négatif, la patte la plus longue, et on vient mettre, on est en débit cercé, là on enfonce, si vous voyez grand chose, hein, mais... Voilà, je sers bien. On va changer de musique, tiens. De déprime. Donc là, mon coil me plaît. Il est plutôt bien placé. Hop, je serre correctement. Je coupe le morceau de cantal qui dépasse. J'enlève. Allez, zoom. Zoom. Oh, il veut pas. 0,89, autrement dit 0,9. Ça c'est pour le premier. Oups. Donc le premier coilé, on va passer au second, qui est beaucoup beaucoup plus petit. Au niveau de la déplacement de coil, c'est vraiment vraiment petit comparé à d'autres. Il y a vraiment
vraiment deux mondes quoi. Enfin, deux mondes. C'est une manière différente de faire. Donc là pareil. Donc au niveau du style art, le truc plus intéressant c'est que les trous sont plus larges, donc on peut passer beaucoup plus de twisted, de machin, enfin plus pratique entre guillemets. Le casar, ça passe hein, mais twisted je suis pas sûr que ça passe. Captain Coil etc, je suis pas sûr que ça passe. Mais c'est beaucoup plus petit, donc faut vraiment faire attention à bien placer son coil. Donc là j'ai rien chauffé, j'ai rien fait. 96. Bon, on reste dans les 0,9. Bon, une fois que ce sera serré, je referai un test. Une fois que j'aurai fait le test de chauffe. Parce qu'il faut bien sûr chauffer les spires. Par contre, je vais vous laisser. Je vais chercher juste ma pince et épiler. Je n'ai pas ramené, mais c'est pas bien. Revoilà. Un test de chauffe. Je regarde un petit peu quand même parce que essayer de faire la caméra c'est sympa mais pas du tout pratique. Voilà, donc là mon coil il est fait. Chauffe bien de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. On voit rien, c'est l'horreur. Voilà. Là mon coil il est là. D'accord? Ça c'est le premier, ce sont le casar. Waouh. C'est chaud. On est passé à 1,02. On va passer au style art. Oula. Voilà. Bon allez, zoom là. Yeah. Vous voyez, il vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est important. Donc voilà, pour le style art, c'est fait. Donc là, on est à. Oh, c'est chaud. À 1,02 avec le casar. Et avec le style art, nous sommes à 1. Donc 1,02 et 1, on a exactement la même résistance. D'accord? On a le même cantal, on n'a pas le même ato,
n'a pas les mêmes chambres, donc on devra avoir un rendu différent. Je vais vous replacer correctement. Alors, deux styles art. On se monte, on va mettre un petit peu de coton, on va directement mettre du coton. Ouais. Par contre, j'ai rien préparé, comme d'hab. Je déteste ce coton. Voilà. Donc on va mettre dans le style art. Oh putain de coton de merde. Toujours là, je ne l'ai pas perdu. Donc, je vais pas blinder de coton. Hein. Donc le coton, en fait, je l'ai fait passer par le coil. Zoom. Voilà, par le coil, ressortir, fait passer entre la vis 3, la vis 2 et la vis 3, le pôle positif. Et le pôle négatif, et j'ai mis le reste derrière. Ça fait une petite réserve de juice. Un petit imbibage s'impose. Imbibé, fait, on va le remonter devant vos yeux ébahis. Bon, ouais, j'arrête. Bon, donc cette chambre ici, il me faut et celle-ci. Donc celle-ci vient se mettre dessus. Ouais, je sais pas, vous voyez plus là. Hop, donc j'ai laissé ouvert exprès. Ouvert exprès, pour qu'on puisse justement avoir un plein air. Donc je le mets au niveau du coil. Hop. Donc là mon ato est prêt. Il manque son petit drip tip sexy. Qui livrait avec d'ailleurs. Ce petit drip tip. Alors on va passer à celui-là. J'ai déjà dit que je détestais ce coton quoi. J'ai plus de carder. Je fais trop de tests aujourd'hui. C'est de la merde. Putain. Pardon. Donc là la chambre est quand même vachement plus petite. J'ai pris à peu près la même quantité de coton hein. Mais avec une chambre méga réduite quoi. Avec une chambre avec un plateau méga réduit. Voilà. Quand même un petit peu de juice. Combien là, 19 minutes, waouh, j'espère que la musique vous dérange pas. Ça c'est cadeau ça, c'est le robot de mon neveu qui dit qu'il est content de me revoir parce que l'aquarium s'est éteint. Enfin, c'est toute ma vie.
Ouais. Sauf qu'il y a ça avant. Le 15h. Donc pareil, hein, on met ça pour que les deux ring. Alors le quasar, il a un truc assez impressionnant, c'est pour bouger l'arrivée d'air. Donc en fait, voilà, vous voyez à travers. En fait, il faut juste à la base tourner. Donc, tourner la cloche qui est ici. Tourner la cloche qui est ici, celle du dessus. Et elle vient se bouger avec celle du dessous. Voilà, vous voyez? Et ben, le quasar est tellement facile que même avec une main, quand il est sur le mode, je sais le faire. Tandis que le stylar, par contre, réglez-le avant. C'est pas pareil. Donc là, il est monté. Donc là, les deux sont prêts. Donc on va tester avec le même brip tip, hein, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc le stylar versus le quasar. Bah, au bout de 20 minutes, on va dire il est temps de vaper. Hein. Parce que là, j'en peux plus. Je vous remets sur votre perchoir. Voilà. Stingray, il y a la batterie qui est pleine, charge. Pleine, charge. Donc on va tester le Stylar. Bon, je ne le teste pas sur une seule vape. Hein. J'ai un petit dry hit. Chute. Alors, Stylar fonctionne super bien. Et vachement aérien. À la limite du philippin, ouverture et inhalation directe. Il a une restitution de saveur qui est vraiment top. Franchement, j'ai rarement vu ça. Franck, c'est toi qui m'as donné envie d'essayer ce Stylar. Et franchement, je suis assez épaté. Je suis vraiment assez bluffé par ce dripper. Là, je suis à tout ouvert à pleine balle. Hein. Je sais pas si on voit quelque chose. Le drip tip est un drip tip méga aérien. Je suis sur un custard maison. Un 50-50. Un 1 ohm, une batterie pleine charge, 32 ampères de limite. Une bonne batterie. Et j'ai une très belle vapeur, un très bon rendu, c'est assez agréable en bouche. Franchement, le Stylar, si je devais noter sur 10, je mettrais un bon 7,5 facile. Parce que j'ai hâte de découvrir d'autres choses. J'ai le Zenith V2 qui y arrivera un jour et que j'aimerais tester pour comparer aux deux autres, justement. Parce que j'aime beaucoup aussi le Quasar et vous allez savoir pourquoi. Donc très 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 bon atto, qui ne chauffe pas, wow. Qui envoie du très très lourd, qui est pas très grand, si je le compare au Quasar niveau grandeur, parce que le Quasar est très petit. Hein. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a le fait de la cloche plate, avec beaucoup de matière au-dessus, histoire que l'atto ne chauffe pas, que le dripper ne chauffe pas. Maintenant, on va tester le Quasar. Donc les filetages sont très bons. Vous entendez? Ça va. Donc je mets le drip tip du Stylar dessus. Hein. Il est ouvert aussi à fond. Fermé, ouvert. On peut avoir un zoom correct, merci. Logitech à 50 boules, c'est pas cher.
Le Khazar a une saveur qui, pour moi, est supérieure au Stylard. Il est moins aérien. Fenêtre ouverte. Là, on est Robocop ouvert, là. On a une belle vapeur, mais elle bah, c'est du 50-50. Hein. Après, voilà, j'ai pas mis de 100% VG. Mais si on pouvait mixer les deux, moi ça me va, je prends. J'aime bien le côté stainless du Stylard. De son, on voit rien, c'est abusé. Le côté stainless. Fais une mise au point, s'il te plaît. Pas envie. Donc, en fait, le côté stainless qui va super bien sur mon pipeline, par exemple, qui a la même couleur de stainless, en fait, par exemple au Khazar, qui est beaucoup plus clair. Ah, il a fait une mise au point. Donc, voilà, qui a la même teinte que le pipeline. Donc, ça se marie super bien. Par contre, le Khazar sur le Stingray. Bah voilà quoi, on voit la finition. On voit la finition qui est exactement la même, soit au niveau de la bague ou au niveau du dessus. Et du coup qui se marie à merveille. Bon, je le répète, le Khazar, enfin je le répète, j'ai peut-être pas dit d'ailleurs. Le Stingray me vient de chez Vape Experience, m'a coûté 26,90 €. C'est une version clone Infinite. Et le Khazar me vient de chez Avoclub. Non, ça c'est mon ami. De chez. Oh là là, c'est pas possible d'avoir un trou de mémoire pareil. De chez Electroclub. Désolé. De chez Electroclub, à qui je remercie la rapidité d'envoi extrême à laquelle ils m'ont envoyé mon produit. Commandé dans la nuit de dimanche à lundi, reçu mardi matin. C'est tout bonnement exceptionnel. Et il m'a coûté moins de 20 € aussi. Alors comme j'ai envie de vous dire, mon cœur balance entre les deux, parce que j'aime beaucoup les choses, enfin j'aime beaucoup de choses sur le Stylard, comme sa facilité pour pouvoir me coiler, etc. J'apprécie énormément le Khazar pour le côté smoothie de la bague de réglage d'air. Le rendu de saveur qui est un poil supérieur au Khazar, au Stylard. Oh, je m'embrouille. Khazar, Stylard en même temps, les lettres sont pas très très éloignées. Donc j'aime vraiment ces deux atouts et je vous les recommande vivement parce qu'ils sont tout bonnement terribles. Voilà, c'était le petit test du Stylard versus. Ah si, un dernier truc très très bête. On enlève le Khazar. Enlever l'aérotank qui fonctionne très bien d'ailleurs avec les nouvelles résistances du méga, le pipeline, hop, alors oui la finition n'est pas belle, ok, mais il est flush. Il est flush et va très bien. Et vape super bien. Tandis que le Stylard, va mettre son drip tip quand même. Alors, un Stylard qui a une finition qui est tout bonnement au niveau couleur parfaite avec le pipeline. Mais alors, côté flushitude, putain, c'est pas ça. C'est simple, qu'est-ce que je peux vous donner comme idée? Le 0,40 qui passe à l'aise. Limite la mèche de 2 elle passe. Voilà, 1,5, 1 mm, 1,5 mm, ça passe. Et ça, c'est bien dommage. Mais sinon, ça va. Ça va très bien aussi. Voilà, c'était ma petite présentation, très longue d'ailleurs, 30 minutes.
du Khazar versus Tilar. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.